De là où le Venteur ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence avec un temps qui est variable à couvert. Il peut y avoir des gouttes, mais plus trop dans la journée. La température extérieure est à 15, la température de l'eau est à 15-16. Cet après-midi, un temps variable, une température à 20. La marée, elle est actuellement en train de commencer à monter. Le plein haut est à midi 40 avec des petits coefficients de 39. Et sur ce début du montant, le vent est onshore par le secteur ouest. Il est modéré à soutenu. Trois beaufort établis, des rafales à 4, clapot et mouton sur le plan d'eau qui est tout agité avec une houle qui est consistante, moyenne à longue, 9 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest à la hausse. Il y a 1,30 m en déferlement régulier, 1,50, 1,80 sur les séries qui rentrent fréquemment, 2 mètres sur les gros 7. Avec la marée qui est basse, la barre est facile à franchir, les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés de qualité médiocre. Ça vaut la note de 0,5 sur 5, il y a des vagues en vrac complet. Même si au bord, là, on voit quelques gauches qui passent par moment. Bon, c'est agité et tout. Je pense que c'est un des meilleurs endroits, mais on voit la gauche, là, passer un peu au bord, dans le courant. Certes, c'est pourri. Certes, c'est nul. L'évolution pour le reste de la journée, ben, c'est un train de houle qui va s'amplifier parce que pour le début de la journée, la boire Cachan-Gascogne donne 3,40 et 6 secondes. Pour la mi-journée, 3,40 et 7 secondes. Ça devrait grossir toute la journée avec le vent qui va se renforcer. Les prévisions à 9h, c'est donc 2 mètres. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent d'ouest 3,4. À 13h, 2,30. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 4. Et à 17h, 2,50. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent ouest-sud-ouest 4 beaufort. Bah, le meilleur créneau, peut-être ce matin, avec la marée qui monte. Là, il y a quand même quelques gauches qui filent. Après, pour la fin de journée, ça va être consistant, venté, pas terrible. Encore un point positif, c'est la température de l'eau qui n'en finit plus de se radoucir. Le prochain point, tout à l'heure.